dispositif d'isolement. Une faille importante. Le système de sécurité a dû tomber en panne. Campion, isolez la base. Si la grille d'entrée est ouverte, fermez-la. Oui, monsieur. Les gens meurent comme des mouches. Passez en mode manuel pour fermer la grille. Dépêchez-vous. C'est lui, ma petite fille. Campion, c'est une alerte rouge. Nous avons perdu un des virus. Je répète, nous avons perdu un des virus. Il faut que vous fermiez la grille. Sally, dépêchons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Devine, prends les affaires d'Adi et partons. Oh mon Dieu. Dépêche-toi, vite. Mais Sally. Allez, dépêche-toi. Vite. Donne-moi la petite. D'accord, prends-la. Allez, viens maintenant. Désolé, mon bébé. Thank you.
Et maintenant, nous allons poursuivre avec Cathy Goldmark, la nouvelle chérie de l'Amérique. Je préférerais qu'elle soit ma chérie à moi. Pourquoi tu veux pas m'écouter, mon vieux? Mais ça fait 20 ans que je passe mon temps à t'écouter, non? Depuis le temps que je devrais être plat aux as. Faudrait que t'apprennes quelques rudiments d'économie. Oh! Le vieux guide doit penser que les rudiments d'économie, c'est une nouvelle race d'Irlandais. Hé, c'est toi qui connais rien. Tu dois avoir la cervelle ramollie à force de lécher la colle de toutes ces étiquettes alimentaires. Ah, faut bien que je nourrisse ta fille, non? Ah. Tout est pompé. Hé! Regarde-le, Stu. Tu crois qu'il s'est mis la tête dans cet étang en tombant de voiture? M'étonnerait. Hé. Doucement, mon vieux. Appelle le service des urgences à Braintree. Vas-y, grouille-toi. Pas de panique, mon vieux. On va vous sortir de là. Restez allongé. Bougez pas. Du calme, du calme. Ça va s'arranger. L'ambulance sera là dans 10 minutes. Ma femme et ma petite fille ont besoin de secours. Aidez ma femme et ma petite fille, je vous en prie. Elles vont bien, vous inquiétez pas. Restez tranquille. L'ambulance va bientôt arriver. On est sortis trop tard. Essayez de vous reposer, maintenant. Tâchez de vous détendre. Mais heureusement que la grille s'est coincée ici, mais on serait tous morts. Le projet bleu. Mais retourne-le, mets-le sur le côté, il est en train de s'étouffer. Marchez la tête. Allez, tenez bon. Je l'ai déjà dit, j'ai pas le temps de mettre sa laisse au chien. Maintenant, veillez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu as une idée? C'est peut-être une intoxication alimentaire. Ils ont une plaque de Californie, ils sont peut-être arrêtés en route. Pour bouffer, je ne sais quelle saloperie. Ah, j'espère que tu as raison. J'ai connu une épidémie de choléra en 58 à Nogales, et ça ressemblait à ça. Sally, et le bébé était malade depuis Salt Lake City. Moi, je me sentais bien jusqu'à ce matin. Vous êtes sûr que Sally et la petite vont bien? Ouais. Dans la voiture, vous savez, il y avait un homme avec nous. Une sorte d'homme noir. Quand je regardais dans le rétroviseur, je le voyais qu'il me faisait un sourire grimaçant. Je croyais que je pourrais le fuir. Mais non, on ne fuit pas l'homme noir. Pas maintenant, Billy. Accrochez ça sur le mur. Entrez. Général Starkey. Fais pas de chichi et ferme la porte, Len. Oui, monsieur. Pas duré très longtemps, il paraît. La télémétrie nous indique que même ceux qui avaient leur masque sont morts en moins de 12 minutes. Et les autres n'ont pas résisté plus de 5. Tu peux croire ça? Est-ce que j'ai le choix? Non. Comme aucun de nous, d'ailleurs. C'est seulement une grippe particulièrement forte.
Herbert Benninger, brillant élément du Centre national de contrôle des maladies infectieuses, dit que lorsqu'on aura retrouvé Campion, on saura s'il y a un risque de contamination externe. Il croit à une probable mutation, mais ça ne changera pas le sort des victimes. Mon général, j'ai un élément qui pourrait peut-être... Ils mettront plus longtemps à mourir, c'est tout. La plupart des gens s'imagineront avoir attrapé une bonne vieille grippe inoffensive, ils le croiront jusqu'à la fin. C'est bien notre seule chance jusqu'à présent. Et tout ça parce qu'une grille n'a pas fonctionné et qu'une espèce de réparateur de télé amélioré a disparu dans la nature avec sa famille. Si je tenais cet idiot, je te... Mon général, nous avons localisé Campion. Sa voiture s'est écrasée contre les pompes d'une station-service dans les faubourgs d'une petite ville de l'est du Texas. Il a pu traverser la moitié du pays ? Comment il a fait ? Je ne sais pas. Mais l'important, c'est que maintenant, on a une chance d'arrêter tout ça. Il est mort ou vivant ? Il est mort. Rappelons-tu, Denninger dit que ce truc a un taux de contagion de 99%. Tu comprends ce que ça veut dire ? Toutes les chances qu'on avait sont parties en fumée à l'instant où Campion s'est payé son premier hamburger sur la route. On ne peut pas raisonner comme ça, lui. Ouais, t'as raison. Bien sûr, mais... Et le reste de sa petite famille ? Aucun survivant. Contact minimum avec les gens de la ville. Aucune importance. Nous allons isoler cette ville, la boucler hermétiquement, creuser un fossé autour. Monsieur, tout est prêt pour lancer cette opération. Qu'est-ce que tu vas raconter aux médias ? Qu'il s'agit d'un anthrax. Une nouvelle souche. Ah, oui, c'est une nouvelle souche. Ah, très nouvelle, en effet. Et qui agit de façon très efficace. Radicale. C'est moche, mon général, mais ça pourrait être pire. Oh, ça, j'en doute. Comment s'appelle cette ville ? Arnett. Arnett au Texas. Allô, oui. Monsieur Vincent, vous êtes là. Vous frissonnez, vous avez de la fièvre. Vous êtes enrhumé ou grippé. Alors vite, un cachet de Flow Body. Rien de tel pour enrayer la grippe. En vente dans toutes les bonnes pharmacies, Flow Body. Et maintenant, nous allons retrouver la suite de votre Siri Chérie. Une patrouille, hop! On dirait ton cousin Joey Bob. Salut Joey Bob. Tu veux que je te fasse le plein? Non merci, je suis pas venu pour ça. Le vieux était là hier soir quand la voiture est venue s'écraser contre tes pompes. Oui, il est là presque tous les soirs. Alors faut peut-être qu'il entende ça lui aussi. Mais entendre quoi? Rentry est envahi par des inconnus. Des étrangers qui sont censés appartenir au service de santé, mais qui ont débarqué d'un avion de transport, un C-5A, et qui ont plutôt l'air de faire partie de l'armée régulière. Depuis midi, à Starland, dans l'Arkansas, on a déjà vu atterrir 3 cargos lourds. Ah, c'est bien le choléra. Ah bah, je savais que c'était ça. J'en ai pas entendu parler. En tout cas, je vais vous dire une chose. Si jamais les fédéraux vous mettent en quarantaine, croyez-moi, pour vous, ce sera une autre paire de manches que le choléra. J'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Si jamais un des types qui était là hier soir passe chez toi... Fais circuler l'information, mais sans parler de moi, s'il te plaît. Vous devriez vous soigner, mon vieux. Il n'y a rien de pire qu'un rhume en été. Mais si c'était pas un rhume, si c'était un truc dans le genre de ce qu'il avait le gars d'hier soir. Non, c'est sûrement un petit rhume des foins, c'est tout. Peut-être que je devrais fermer la station pour la journée et aller voir comment sentent les copains. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais. Unité 16 à la base. Je croise un flot de convois militaires sur la Nationale 17, qui semble se diriger tout droit vers Arnett. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? À vous. Unité 16, vous avez patrouillé près d'Arnett aujourd'hui, à vous. Négatif, base. J'ai passé ma journée le long de la frontière de l'Arkansas. Parfait, Unité 16. Alors, je vous suggère de ne pas vous occuper des affaires de l'armée, de vous concentrer sur les vôtres. Terminé. Vous pourriez me dire ça un peu plus gentiment, Cynthia. Unité 16, terminée. Ah.
À la station-service. Chacun son poste. Ne laissez personne partir. Chacun emmène son strict minimum. Contrôlez toutes les maisons. Vous avez l'air très occupé aujourd'hui. Docteur Herbert Denninger, veuillez nous suivre, monsieur Redman. Eh, ça vous ferait rien d'enlever votre main de là. Cet homme a été en contact direct avec Campion. Emmenez-le dans le camion. S'il résiste... Je ne vais pas résister. On n'est pas tous débiles à la campagne. Oh non, je veux pas y aller, je veux pas, laissez-moi! Arrêtez, ne la touchez pas! Restez où vous êtes, monsieur Redman, mêlez-vous de vos affaires. Monsieur Redman, veuillez monter immédiatement dans le camion. Sinon... Sinon quoi? On va tirer sur moi? Ça me fait pas peur, allez-y. Si on est aussi atteint que le mec d'hier, alors on est condamné. Pas vrai? Notre petit voyage va durer 3h40 et c'est l'oncle Sam qui offre toutes les boissons. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, nom d'un chien? C'est le choléra ou quoi? Absolument pas. On vous donnera tous les détails. Quand? Aussitôt que vous aurez atterri. J'ai aussi peur que dans le delta du Mekong en 69. En fait, j'ai jamais aussi peur de ma vie. Ici, il y a tous ceux qui ont assisté à la mort de Campion, c'est ça? Nous, nos familles et les personnes qu'on a approchées. Pour l'instant, ouais. Comment ça, pour l'instant? Allez, en route! Dépêchons! Dépêchons, dépêchons! C'est l'oncle Sam qui fait les frais! Plus vite que ça! Toute la ville a été mise en quarantaine. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu crois? Je sais pas. Je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et maintenant, à la demande d'une auditrice de Berridge, Larry Underwood pose la question fatale. Baby, can you dig your man? Autrement dit, tu peux l'aimer ton mec.
Bon. Maman. Maman. T'es magnifique. T'es pas contente de me voir? Est-ce que je devrais l'être? Tu sais, s'il le faut, je peux l'être pour nous deux. Pas de problème. Viens, entre avant que les voisins commencent à jaser. Tu sais que mon disque a crevé le top 50? Tu l'as entendu? Bien sûr, tu chantes comme un noir. Ouais. Ah bon? Moyenne voix, voix de nez? Tu sais, du jour au lendemain à Los Angeles, tout le monde s'est découvert, mon ami. Tout le monde avait la plus belle affaire du siècle. Alors j'ai essayé de prendre le large, de décrocher un moment. Comment va ton dos, maman? Parfois, il me fait mal, mais j'ai mes pilules. Dans quel genre de pétrin es-tu, Larry? Ding! Disons que j'ai vécu un peu au-dessus de mes moyens. J'attendais plus de ma maison de 10, tu comprends? Ouais, c'est pas grave. Sauf que j'ai emprunté un peu d'argent. Et si c'était à une banque, tu serais pas là, j'imagine. Les gros bras des racketteurs de la côte ouest sont différents de ceux d'ici. Ils t'offrent un verre d'eau et un Valium avant de commencer à cogner. Tu es comme ton père. C'est pas vrai, je suis pas comme lui. Tu as l'air exaspéré, là. Je suis exaspéré, maman. Bon. C'est consolant de se dire qu'il existe encore une personne qu'on peut exaspérer. Tu as combien de dettes? Et ne mens pas. J'ai vu ta voiture. Environ 40 000. Seigneur, c'est pas vrai. Mais mon titre est 20e au hit-parade cette semaine. Il va exploser. Bam! Et après ça, c'est le disque qui fera un malheur, tu verras. 40 000 dollars, c'est rien. C'est rien. Crois-moi, je ne serai pas le petit chanteur d'un seul titre. Ton fils sera une vraie star. Je vais devenir célèbre, maman. Encore mieux, je vais devenir riche. Riche. Ton lit est encore dans ta chambre. Je vais aller le faire. Et puis, il faudra que j'aille travailler. Je vais être en retard. Merci. Merci, maman. Bienvenue à la maison. Regarde, je crois que ça devient intéressant. Dis donc, quelle rapidité! Les deux seuls survivants de la station sont Bruette et Redman, c'est ça? Oui, Bruette est dans un état critique à présent.
Donc il ne reste que Redman qui n'est même pas malade. Je n'y comprends rien. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais nous allons trouver. Il faut que nous trouvions. Et vite. N'en fais pas. Bonjour, monsieur Goldsmith. Ah, bonjour, Harold. Agnella. Je crois qu'elle est dans la cuisine. Salut, Fanny. Salut, Harold. Merci, papa. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Je t'ai apporté quelque chose. Non, c'est vrai. Et bien sûr, Everly fait une revue littéraire très modeste, mais très prestigieuse. Ses collaborateurs sont payés en exemplaires. Nous connaissons un auteur publié, papa, regarde. Ah, c'est magnifique. Ah, mon poème s'intitule La rose écrasée. J'ai marqué la page pour toi. En réalité, j'en ai envoyé 3. Mais bien sûr, la place est très limitée. Je comprends. Je te promets que je vais lire ça dès que j'en aurai le temps. Merci. Et toutes mes félicitations, Harold. Merci. J'étais venu aussi pour une autre raison. Ah ? Oui. Je voulais te demander si tu voudrais m'accompagner au cinéma vendredi prochain à Boussebay. Il y a un festival Bergman. J'ai toujours trouvé cri et chuchotement absolument génial. Oui, mais c'est que Amy et moi, on a décidé d'aller à un concert des REM à Portland. Alors, je regrette. Ah, bon. Ce sera peut-être pour une autre fois. Oui. Harold, je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un pour sortir avec toi. Et si possible, quelqu'un de ton âge. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Harold, je... Non, t'en fais pas pour ça, ça va. Je t'assure, je comprends. J'espère que tu aimeras le poème. Et également le reste de la revue. Écoute, Harold, pourquoi tu ne restes pas boire une tasse de thé avec nous? Non, merci. Je suis très pressée maintenant. Je suis pas mal tiré, qu'est-ce que t'en dis? Si on considère que Harold Lauder a le béguin pour toi depuis l'âge de 9 ans, alors oui, tu t'en es bien tiré. Laisse-moi regarder. J'ai suivi des sentiers fabuleux, fuyant dans la nuit les armées du soleil, cheminots, cheminant dans la jungle. Ça suffit, arrête. Franny, est-ce que ça va? Oui. Je suis la muse d'un jeune poète transi d'amour. Qu'est-ce qu'une jeune fille peut vouloir de plus? Et toi et Jess, vous vous êtes chamaillés? Je ne l'ai pas beaucoup vu par ici cet été. En fait, on a décidé pendant quelque temps de faire bande à part. Ah, d'accord. Alors c'est ça, hein? Oui, rien que ça. Viens là. Viens embrasser ton vieux père. Et toi, papa, comment ça va? Mais très bien, très bien. Quand je me suis levé ce matin, ta mère m'a manqué, alors je suis venu ici. Après cette année, il y a dans la maison un tas d'endroits où elle n'est plus. Mais tu sais, ici, c'est pas le cas. Quelquefois, quand je viens seul ici cultiver le jardin, j'ai l'impression qu'elle est là, sous mes yeux. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Quoique, j'ai fini par me résigner à te céder à Harold Lauder à l'un ou l'autre. Ça va? Mmh.
Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Redman? Nous allons vous soumettre à quelques analyses de routine, si vous voulez. Non. J'en ai marre, j'en veux plus de vos analyses. Ce sont les ordres du docteur, je dois prendre votre tension artérielle. D'abord, je veux le voir, ce docteur. Je veux le rencontrer, je veux lui parler personnellement. Je suis sûr que vous parlerez à un médecin très bientôt. Ah, ben moi aussi, j'en suis sûr. Non, plus d'analyses! J'en ai marre, c'est compris? Monsieur Redman, vous... Hey! Je crois que vous devriez entrer là-dedans, pas vous? Ma parole, je dirais bien que c'est l'homme au bloc-notes avec escorte militaire. Non, on ne se sert pas la main ici, par précaution. Par précaution. Petit Grier dit que vous lui avez donné du fil à retordre et les crêpes perturbées. Ah ben comme ça, on est deux. Ça me fait toujours ça quand une bande de salopards en combinaison spatiale me séquestre pour me soumettre à des examens. Alors, si vous voulez pas que je déchire votre costume avant que vous ayez eu le temps de fuir, je vous conseille de me renseigner. Dites-moi pourquoi je suis pas malade. Monsieur Redman, je crois qu'il s'agit de... Pondez-moi, mon Dieu! Je suis désolé, mais vous... Monsieur Redman, soyez raisonnable. Fichez le camp, espèce de fauchon. Envoyez-moi quelqu'un qui pourra me répondre. Je crois que vous évaluez mal votre position, monsieur Redman. Vous vous trompez. Au contraire. Allez, sortez d'ici. Quand tu m'entendras crier, tu feras gaffe. Mais tenez cet enfoiré, bordel, tenez-le! Non! Tenez-le, je vais réduire en bouillie. Ouais, pourquoi est-ce qu'il dit rien, Ray? Attends un peu, je vais lui apprendre à chanter l'hymne républicain à ce petit salaud, puisqu'il m'a bousillé ma plus belle chemise. Eh ben moi, je vais lui bousiller le portrait. Ça suffit, Ray, tu vas le tuer! Elle est une bagnole! Allez, laisse-le, Ray, bouge-toi! On se retrouvera, enfoiré! Je peux entendre. Et je peux parler. Je sais que tu peux, Nick. Tu dois prier Dieu.
Comment vous connaissez mon nom? Il m'est venu dans un rêve, j'imagine. Et là, je suis en train de rêver? Ah, disons, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Qui êtes-vous, madame? Abigail Fremantle. Mais les gens du coin m'appellent tout simplement Mère Abigail. J'ai plus de 106 ans aujourd'hui et je continue à faire mon propre pain. Toute ma vie, j'ai habité ici, à Hemingford Home, dans le Nebraska. Tu dois venir me voir, Nick, ainsi que tous tes amis. Et il faut te dépêcher. Un orage se prépare. Sans orage. Quand ils sortent dans la rue. Pourquoi portez-vous ce masque, monsieur? Je me sens plus en sécurité. Je vous remercie. Les responsables du centre de recherche épidémiologique d'Atlanta m'ont déclaré qu'il y avait peu de chances que ce genre de masque puisse arrêter même un virus handicapé. Il nous reste donc à prier notre bonne étoile en espérant que les premières... Je ne sais pas ce qu'ils ont attrapé au Texas, mais en ce qui te concerne, je suis sûr que tu as attrapé une bonne grippe, Johnny. Tu devrais me laisser tout sculpter. Pas question. Alors, voyons. Johnny, tu sais bien l'effet que ça me fait quand tu ôtes ta chemise. Quand j'étais môme, un jour, on a rencontré par hasard un puma dans les collines. On l'a tué et on l'a ramené en ville. On l'a traîné sur des dizaines de kilomètres. J'ai jamais rien vu de plus amoché que ce qui restait de cette pauvre bestiole à l'arrivée. Eh bien, toi, tu viens tout de suite après. Je vais enfin pouvoir demander à quelqu'un d'ôter sa chemise avant de rentrer chez moi ce soir. T'inquiète pas, fiston, je suis médecin. Et en plus, figure-toi que c'est moi qui ai failli te rouler dessus. Comment tu t'appelles, mon petit bonhomme? C'est quoi ce cirque? Ça veut dire qu'il est sourd-muet. Oui. Ça fait mal? D'accord. Si t'es sourd-muet, comment je vais faire, moi, pour savoir ce qui t'est arrivé hier soir? Nick Andros. Trois hommes m'ont tabassé et m'ont volé. Tu sais lire sur les lèvres, mon petit bonhomme? Alors Dieu n'est pas tout à fait mauvais. Est-ce que tu crois que tu reconnaîtrais les trois mecs qui t'ont tabassé si tu les voyais devant toi? Quoi? L'un d'eux porte une bague comme celle-là? Oh merde! C'est une bague de fraternité, mon cher ami. Et les deux seules personnes qui en portent une dans les parages sont notre honorable shérif et la terreur de cette ville, un nommé Ray Booth. Et le shérif a épousé la sœur de cette fripouille. Ah, Johnny va être ravi. Bienvenue à Soya, monsieur Andros. C'est un véritable havre, un modèle de l'hospitalité du Sud. Arrête, ne touche pas. Il n'y a pas 200 000 manières de vous dire cela. Cette soi-disant super grippe n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi tout le monde en parle? Je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle. Et j'ignore l'origine de ces rumeurs.
Il s'agit sans doute d'un produit de l'imagination des journalistes. J'ignore également pourquoi je me trouve ici, en train de répondre à ces questions absurdes. Bonjour, monsieur Rodman. Je m'appelle Deeds. J'aimerais vous présenter un ami. Je vous présente Géraldo. Géraldo. Vous devez savoir que la maladie que vos amis ont contractée se transmet très facilement d'un être humain à un cobaye et vice-versa, probablement. Or, depuis 3 jours, Géraldo respire le même air que vous au travers d'un convecteur. Et Géraldo est en pleine forme, comme vous pouvez le constater. Je trouve ça assez réconfortant, pas vous? Je vois que vous prenez aucun risque. Ça n'est pas dans mon contrat. En tous les cas, il semble qu'il y ait absolument rien à craindre avec vous, monsieur Redman, ou puis-je vous appeler Stuart? Tant que vous ne m'appelez pas Géraldo. Ah, j'adore ça. Je suggère que nous tâchions de régler cette affaire le moins douloureusement possible. Qu'est-ce que vous en dites? Bon. Alors voilà. Primo, les analyses et les divers examens que nous avions commencés il y a quelques jours vont reprendre avec votre coopération, ou sans elle. Cet imbécile de Campion nous a mis dans un foutu pétrin, alors je ne veux pas que vous vous imaginiez que vous êtes volontaire. On vous a enrôlé de force. Où sont passés ceux qui m'accompagnaient? Ceux d'Arnett? Tous morts. C'est pour ça qu'on est obligé de... Ah. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez bien pu leur faire? Mon prix! Bonsoir! Non! Restez à l'écart! Ouvrez vos oreilles maintenant et écoutez bien. Ce n'est pas moi qui suis responsable de votre présence ici, ni de la mort des gens de votre ville. Ce n'est pas non plus Denninger, ni les assistantes qui l'avaient chargé de prendre votre attention. Alors qui c'est? Personne. Tout le monde, Dieu, allez savoir. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de subir encore quelques ponctions épiques. Ouais. Et si... Évacuation! Dis, calmez-vous. J'ai fait semblant. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Vous parlez de ce qui est là-dedans. Comme si vous étiez en dehors. J'ai voulu vous donner un aperçu de ce qu'on ressent quand on est à l'intérieur. C'est à votre goût. Imbécile, sale petit connard merdeux. Allez, foutez le camp d'ici. Et oubliez pas votre putain de cobaye. Alarmantes concernant cette prétendue épidémie de grippe mortelle continuent de se répandre. Dans le sud de la Floride, de nombreux quartiers commerçants sont pratiquement déserts ce matin. Malgré les communiqués des services de santé d'Atlanta et du Vermont, la rumeur semble gagner du terrain. Dans le Vermont, le docteur Herbert Denninger a déclaré, je cite, « Il n'y a pas plus de grands voyages que de beurre en broche. » Comment va la serveuse la plus sexy de Los Angeles? Larry, c'est toi? Oui. Arlène, écoute-moi. D'abord, à toi de m'écouter. Wayne Stuckey a appelé, il a dit que ton album a gagné 9 points cette semaine. Ton titre est 3e au hit parade du showbiz et numéro 1 au top 50. Dis donc, après ça, mon vieux, si t'as pas la grosse tête, qu'est-ce que tu en dis? Victoire! Arlène, je t'aime à la folie. Si c'était vrai. Bon, écoute, je vais essayer d'attraper le dernier vol de l'après-midi. Alors, mets ta tenue de soirée la plus sexy pour que je t'emmène dîner. Ensuite, je t'amènerai danser. Et après, au 7e ciel.
Tu peux pas retarder ton retour seulement de quelques jours? Quel est le problème? Il se passe des choses étranges. Tout le monde a peur du grand voyage, cette maladie bizarre. Oh, ici à la radio, ils disent que c'est du bidon. Peut-être, mais la radio d'ici dit que tous les hôpitaux se remplissent et que des malades meurent. Les gens meurent de la grippe, tu veux dire? La région est infestée de soldats. Tout à coup, Los Angeles est devenu vraiment sinistre. Bon, bah peut-être que je vais rester un peu à New York, alors. Oui, mais n'oublie pas ce que tu m'as promis à ton retour. Dîner, danse et tous les paparazzis auxquels je pourrais sourire. Oui, oui, tu les auras. Bye. Bye. Oh, excuse-moi, mon vieux. Pour cette fois, l'homme à face de rat te pardonne. Il vient pour toi, Larry. Le monstre sans visage. Sortez, vos morts. Sortez, vos morts. Mais plus fort. Le diable est son âme, vas-y, mec. Allez, commande-moi l'heure. Quelle heure il est? Il est pile l'heure d'ordre du liquide. Merci. Et si jamais il y a un Pékin, n'importe quel Pékin, qui a quelque chose à redire, ou essaye de nous arrêter, on fait quoi? On le pulvérise. C'est exact, vachement exact, mec. À le faire, faisons-le vite. Je vois ce que tu veux dire, mec. On bouge plus! Tenez-vous peinard, il n'y aura pas de bobo. Hé, salut les amis! Attention, porte! Hé, t'as vu, Lloyd? Cette espèce de salaud a essayé de me descendre! Ne bougez plus! Plus un geste! Les mains en l'air! Shérif adjoint, Wentin Solving, attention, je sors! Qui c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Tu diras que tu t'es cogné dans la porte. Ça suffit! Ça suffit, Owen! Pop Jones et Betty Diamond sont morts. Alors ça ne suffira jamais. Nous avons un sérieux problème dans le Wyoming, monsieur. Quel genre de problème, Len? Une équipe de journalistes a pu sortir de Pine Bluff avec une bande vidéo très compromettante. Victime de la grippe? Pile de cadavres? Un peu des deux. Et aussi nos OP, m'a-t-on dit. On ne peut pas laisser faire ça. Non, monsieur. La divulgation de ces images serait contraire à l'intérêt national. Absolument, monsieur. Savez-vous où se trouvent en ce moment ces journalistes, ou plutôt ces agitateurs? Oui, nous le savons. Alors récupérez ces bandes vidéo, Len, par tous les moyens nécessaires. C'est une priorité. Oui, monsieur. Tous les moyens nécessaires. Thank you.
Mac, tu lis ça dans le champ? Mac, moi j'ai pas confiance, fais attention. Descendez immédiatement, je vous dis. Dépêchez-vous. Madame, je vais vous demander de nous remettre cette caméra, ainsi que toutes les bandes vidéo que vous avez déjà tournées. Vous pouvez me dire pourquoi, Major? Je crois que vous n'appréciez pas la gravité de la situation, madame. La loi martiale a été déclarée, et je n'ai pas de compte à vous rendre. Pas plus d'ailleurs qu'à vos amis gauchistes. Mike, est-ce que tu as eu tout ça? Est-ce allez-y, que vous pouvez me dire... Arrêtez-le. Non, arrêtez-le. Vous avez le droit. Prenez la caméra et le conducteur. Ne tirez pas. Vous attendez, bordel. Non. Prenez cette caméra de tourner. Prenez toutes les cassettes et les bandes. Entrez. Je crois que notre problème au Wyoming a été résolu. Ça ne change rien au fond des choses, à savoir que les carottes sont cuites. Les choses se décomposent et le centre s'écroule. Un dénommé Yeats a dit ça. Quand j'étais à l'université, je ne comprenais pas ce poème. Mais peut-être que je m'améliore en prenant de l'âge parce que je le comprends maintenant. Et j'ai retenu une autre phrase de ce poème. Voici la bête féroce. Son heure enfin est arrivée. Elle se traîne vers Bethléem afin d'y naître. Il se pourrait bien que cette bête soit en marche. Qu'en pensez-vous? C'est ça qu'on appelle un goulash hongrois? Je ne sais pas, c'est possible, monsieur. Yeats avait raison. Les choses se décomposent. Viens voir là, le sourdingue. Tu t'imagines quand même pas qu'on va bouffer ça? T'as très bien pu l'empoisonner. Si jamais je t'attrape, tu vas voir comment je te plume et je te tords ton joli cou, mon poulet. Je vais réduire ta belle petite gueule en bouillie, enfoiré. Je peux rien avaler. C'est la crêpe. Aucun de nous va bouffer ça, sourdingue. Aucun de nous. On fait la grève de la faim. Ouais, mais moi, j'ai vachement faim, ouais. Va te faire foutre. Hey, sourdingue, t'as pas soif? Je fais la grève de la faim, mais j'ai pas l'intention d'arrêter jusqu'à ce qu'on me laisse sortir d'ici. Maintenant, approche, viens là, j'en ai pas encore fini avec toi. Il en a fait beaucoup de conneries comme ça. Adjoint minable, où est le shérif? Désolé, John et sa femme sont morts. Un tas de gens sont morts déjà dans cette ville. Et encore beaucoup vont mourir. En fait, il se pourrait bien que toi et moi, on soit les deux dernières personnes en bonne santé dans l'ouest de l'Arkansas. De quoi il parlerait? La ferme! Notre gouvernement s'entête à tout nier. Mais la radio dit que les hôpitaux sont en train de se remplir et que l'armée brûle des morts dans les usines de retraitement de déchets. Dernière étape du programme de recyclage. Doc! Hé, hey, Doc, laissez-moi sortir d'ici, ils sont tous les deux malades.
M'obliger à rester avec eux, c'est un châtiment cruel et inadmissible. J'ai une petite cabane en haut de la colline. Je vais aller m'y installer en attendant que ça se calme. Oui, les responsabilités de docteur, c'est ça. Ne me fais pas rire. J'ai fait le serment de soigner mes patients, non de mourir avec eux. Tu peux venir avec moi si tu veux, Nick. Hein? Oui, je sais. John, t'avais chargé de les surveiller. Oui. Enfin, ça ne t'empêche pas de les libérer maintenant qu'il est mort. Hé, hey, Ray, s'il te laisse sortir, tu ne me la mocheras pas. Non. C'est juré. Moi aussi, juré. Ils te laisseront tranquille. J'ai un petit cadeau pour toi. Comme tu dirais, je te l'avais mis de côté. Les temps changeraient, tu ferais bien de t'en souvenir. Si ça se trouve, on se reverra, sourdingue. Alors, tu décides quoi? Tu veux venir là-haut avec moi? Bon sang, mais t'es cinglé. Il est à moitié mort. Pas, ça va aller, je vais te mettre au lit. Larry, va chercher ton père, il est au bar. Il est au bar avec le photographe. Oui, maman.
Tiens, juste une petite gorgée. Tiens, maman, tu vas avaler une petite gorgée de ça. Tu veux bien? Allez, vas-y. Marie, attention à l'homme, l'homme noir. Il vient te chercher. Qu'est-ce que tu dis, maman? Maman. Sonny occupé dans ce putain d'hôpital. Larry! Maman, appuie-toi. Appuie-toi. Voilà. Laisse-toi aller. Voilà, comme ça, ça va aller mieux. Tu vas voir, tout va s'arranger. Tu vas guérir. Ça va aller. Sourdin, comment ça va? Comment ça gaz? Quand tu t'apercevras que t'es mort, tu seras en train de griller en enfer depuis au moins 30 secondes. Sans toi, ce ne serait pas arrivé. Je vais te tuer, petit con. Ah!
souffrerez. Sortez, mon mort. Tiens, voilà, papa. J'ai apporté quelques toasts et un peu de pénicilline juive. Appelée vulgairement soupe de poulet. Ça a l'air délicieux, ma chérie. Comment tu te sens? Mieux, bien mieux. Je crois que je vais bientôt m'en sortir. Tant mieux, parce que j'arrive pas à joindre le docteur Robertson. Les services d'urgence de Wells ne décrochent pas. Ils ont branché un répondeur. Cette grippe fait des ravages, c'est vraiment effrayant. Et toi, ça a l'air d'aller. Oui, rien à signaler. Je me sens très bien. Tu veux bien allumer la radio, chérie? C'est l'heure de Ray Flowers. Oh non, pas cette affreuse bonne femme sarcastique. Allez-moi, elle me plaît. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde, ici Ray Flowers et son émission Prenez la parole. J'imagine que ce matin, il n'y a qu'un sujet qui vous intéresse. Qu'on l'appelle grand voyage, comme sur la côte ouest, ou bien super grippe, apparemment, ça change pas grand-chose. On m'a rapporté des histoires horribles à propos de sévices exercés par l'armée. L'armée? Je vous demande d'être patient ce matin car je suis seule à mener l'émission. Tous mes collaborateurs étant malades. Les numéros d'appel sont toujours 29 29 50, 29 29 60. Alors, allons-y. Bonjour, je vous écoute, c'est à vous de prendre la parole. Bonjour Ray, je vous appelle de Portsmouth. Votre nom, Portsmouth? Léonora. Écoutez, Ray, je veux que tout le monde sache qu'il y a des soldats qui brûlent des cadavres près de la frontière d'État à Kietri. Et aussi que ma petite fille est morte ce matin. Elle doit être auprès de Jésus maintenant. Je suis vraiment désolée, Léonora. Je crois que c'est la faute de l'armée, tout ça. Ils ont fabriqué un microbe qui tue les gens. Ça ne serait pas très américain, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça n'a jamais arrêté les vrais patriotes qui sont parmi nous. Tâchez de tenir le coup, Léonora. J'essaie, mais... Est-ce que vous avez déjà senti l'odeur des corps brûlés? Pas vraiment, non? C'est affreux, Ray. C'est affreux. Tâchez de tenir le coup, Léonora. Ici Ray Flowers, vous êtes en ligne, à vous de prendre la parole. Salut, Ray. Je dois vous dire que j'apprécie beaucoup votre émission. Vous dites que vous avez vu des GI tirer sur des civils désarmés, c'est bien ça? Au nom du gouvernement des États-Unis, ouvrez! Écoutez, Portland, je crois que les Marines se viennent de débarquer et ils n'ont pas l'air contents. C'est un canular? Oh oui, c'est sûrement un canular! Je crois que non, Franny. Je crois que c'est la réalité. Bonjour, vous êtes en ligne? Ouais, tout va bien? À vrai dire, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Plusieurs soldats ont pénétré dans le studio et ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont vêtus de combinaisons protectrices et ils portent des masques à gaz. Coupez le moteur! Hé, hey, Rambo! T'as jamais entendu parler d'un bidule nommé liberté d'expression? Quand tu entends ça, ça fait pas tilt. Chers amis, un autre fasciste que je n'avais pas invité m'a ordonné d'arrêter l'émission. Et je refuse. Ça se fait comme ça! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe, hein, papa? Non, j'en sais rien. J'en sais rien, chérie. Il approche maintenant! Le dur est cuit! L'homme noir, il arrive! Maintenant, il approche! L'homme noir! Thank you.
everything to your desire. Bonjour, le Texan de l'Est. Tu as été bien long. J'étais perdu dans le maïs. Et j'ai entendu la guitare. C'était si doux, si joli. J'ai jamais été capable de jouer un accord de fa convenable en 20 ans. Mais je te remercie quand même. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Je suis Abigail Fremantle et ici c'est Hemmingford Home. Stuart, ces gens qui te retiennent te laisseront plus vivre très longtemps. Tu dois t'en douter, non? J'ai bien peur que oui. La bête rôde dans les rues de Bethléem. Les rats sont dans le maïs. Je ne vous suis pas, madame. Madame, où êtes-vous? Les gens du coin m'appellent simplement Mère Abigail, le Texan. Mère Abigail? Sentez-vous, Stu? Bien. Bien. Toujours bien. N'oubliez pas que dans toutes les analyses et les examens qu'on vous a fait subir, on n'a jamais trouvé le moindre vecteur d'immunité. Pas le moindre. Je serais curieux de connaître votre explication, Stu. Avez-vous été touché par la main de Dieu? Que vous cachez dans votre dos? Je vois. Vraiment? Oui, je crois que oui. Je me demande. Où est votre pote, Dellinger? Lui, il est mort. Ils sont tous morts. Absolument tous, sauf moi. Et toi? Et vous êtes venu vous occuper de moi, c'est ça? On peut rien te cacher, mon cher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai décidé qu'une espèce de con et d'enfoiré dans ton genre ne méritait sûrement pas de vivre, alors que meurent tant d'hommes de valeur. Ce sont des hommes de valeur qui sont responsables de se cacher. Ah.